Bonjour tout le monde, c'est Simo et aujourd'hui on se retrouve avec nos deux amis qui sont Raoula tout simplement et Wafa. On va aller leur rendre visite rapidement à la maison. Alors on y va. Micro est un fantastique moyen d'améliorer sa compétence comédie et d'amuser les invités. C'est très bien. Votre maison a un inventaire en mode construction. C'est là que vont les récompenses professionnelles. D'accord. Alors, là, il y a notre Raoula. Elle est un peu énervée, elle est tendue. Puisqu'elle a fait le ménage, simplement. Du coup, ce qu'on va lui faire, déjà, c'est que j'ai trouvé un moyen pour calmer le stress beaucoup plus rapidement. C'est les lits. Du coup, ce lit, on va le placer dans l'inventaire. Ce lit, on va le vendre. Et ce qu'on va acheter, ce sera d'autres lits. Du coup, on va aller ici. Ah non, c'est pas ça. Le lit. On va acheter ce lit. Voilà. Et ce lit. Donc ici, ce sera la chambre de Raoula, et là, ce sera la chambre de Wafa. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va lui acheter un petit violon. On va acheter à Raoula un violon. Comme ça, elle améliorera sa compétence violon, et elle n'aura pas besoin de prendre l'ordinateur pour faire ses tâches journalières. Alors voilà, c'était tout pour ceci. Du coup... Maintenant, Raoula doit manger, Raoula doit dormir. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger ça, on va vider la poubelle. On va enlever la nourriture gâtée. Puis on va aller manger, on va aller dormir, pardon. On va vaporiser le monstre sous le lit, je sais pas ce que c'est. Et on va dormir. Voilà. Du coup, pendant ce week-end, Raoula ne va pas travailler. Du coup, ce qu'on va faire, ça va être très intéressant. Voilà, arrête-toi. Et tu vas ouvrir pour prendre la portion de salade. Voilà. Vas-y, va prendre la portion de salade. Ah non. Tu ne voulais pas prendre la salade. Voilà, bravo. Oh, tu as grillé. Tu l'as grillé. Arrête de parler. Arrête de parler, tu vas faire n'importe quoi. Odeur du réfrigérateur. Raoula, arrête de faire n'importe quoi. Je te jure, si tu grilles cette nourriture, on va arrêter l'aventure. Oh là là. Oh, ce n'est pas très bien tout ça. Tout cela n'est pas bon. Voilà, maintenant tu manges ton toast. Ton toast aux œufs, voilà, t'es contente vu que t'as parlé avec ton ami. Et après tu me ranges ça, tu nettoies. Voilà, tout simplement. Maintenant tu vas prendre une douche. Tu vas essuyer et ça, on va le réparer. Enfin, on va pas le réparer, on va tout simplement le changer. Tu te laves les mains, vas-y. Oh, bravo. Faudra tout remplacer, ça coûte cher à la fin. Vas-y. Du coup, maintenant... Ah, qu'est-ce qui se passe? Un rhume. Un rhume de cerveau. Bon, écoute, Raoula, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas jouer du violon. Vas-y, va jouer du violon, ça devrait te calmer. Guérir la maladie avec un médicament. Boire un médicament. Non. Pas la peine.
Là, la rougeole, quand même. Ouais, elle est malade. Voilà, maintenant elle va beaucoup mieux. Elle peut jouer du violon. Voilà. Elle a acquis la compétence violon au niveau 2. Elle va continuer un petit peu. Ça y est, on s'arrête. Du coup, ce qu'elle va faire maintenant, c'est qu'elle va aller, elle va manger un repas rapide. Des céréales, vas-y. Pourquoi pas, pour le goûter. Vas-y, mange. Après, elle va aller aux toilettes. Et dimanche, je sais ce qu'elle va faire. Je sais ce que va faire notre Raoula. Ah. Alors, il y a OFA, quelqu'un l'appelle. Mais moi, je n'ai pas le droit de contrôler OFA pour l'instant, vu qu'il y a encore Raoula. Du coup, je suis désolé, mais je ne peux pas répondre. D'ailleurs, je ne sais même plus où est OFA. Oh. Contempler le plan des champignons. Si, je vais récolter les produits. Alors, j'ai entendu dire qu'il y a une super fête à la boîte de nuit. Sincèrement, j'ai pas trop envie d'y aller vu qu'elle est fatiguée. Du coup, je suis désolé. Elle a acquis la compétence jardinage. Ah. Oh. Je ne voulais pas commettre une capture d'écran. Elle a récolté le champignon. Voilà, on a 10 champignons. Comestible et même délicieux. Il pousse dans la terre. Bon, on va planter des champignons. Écoutez, on va planter les champignons, il n'y a pas de problème. Par contre, au fait, ouais. Elle était partie, on savait pas où. Moi, j'attends juste que Wafa aille dormir, comme ça le temps passe beaucoup plus vite. Dimanche, Raoula va aller à la salle de sport. Oui. Raoula va aller à la salle de sport. Du coup, je la laisse dormir comme il le faut. On peut voir que Wafa avait une envie pressante pendant la nuit. Pourquoi elle est pas contente? Je comprends pas. Elle pleure. Oh, elle pleure. Je comprends pas pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'elle pleure? Ah bah, elle a besoin de parler. Elle a du besoin de social, oui. Et bien sûr, vas-y, Raoula, vu que t'as toute ton énergie, vas-y, va lui parler. Vas-y, va lui parler. Vas-y, on va aller l'enlacer. On revient ici. Vas-y, du coup, on va manger. Vas-y, on mange salade de jardin. Tout en lui parlant. Elle est hébétée, je ne sais pas ce qu'elle a. Raison, maladie. Oh, elle est malade. Aïe. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la guérir déjà. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a la tête qui tourne. Regardez-moi son visage. Ouais, 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 elle est malade. Raoula est assez malade. Du coup, on va aller sur ordinateur et on va commander un médicament.
Ah, il est dans l'inventaire, voilà. Prends le médicament, Raoula. Et voilà, maintenant tu n'es plus malade et tu es même énergisé. Du coup, vu que tu es énergisé, on va... Attendez. Ça l'énergise pendant 4 heures. Quand même. Bah écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va direct aller à la salle de sport. On perd pas de temps. Alors aujourd'hui, c'est dimanche, donc OFF va travailler à 11 h. Du coup, il n'y aura pas possibilité qu'elle vienne avec nous. Du coup, Raoula va faire des nouvelles connaissances à la salle de sport. Elle va y aller toute seule. Voilà, cela me paraît très bien. Cela me paraît bien. Peut-être vous aurez pu remarquer que j'ai augmenté la qualité. Du coup, voici la salle de sport. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un entraînement énergisé tout en regardant la télévision, la chaîne de sport. Si tu peux y aller. Tu as acquis la compétence fitness. Et tu as envie d'aller aux toilettes. Vas-y, cours, Raoula. Vas-y, maintenant repousse tes limites. Vas-y, tu vas repousser tes limites. Que tu vas courir le plus vite possible. Vas-y, Raoula, cours. Aïe. Alors, est-ce qu'on s'arrête là? Oui. On s'arrête là, on va arrêter et on va parler à ce jeune homme. Voilà. Qui est venu nous aborder. Bah justement, il est parti et il est revenu. Bah écoute, elle a envie d'aller aux toilettes. On va arrêter. On va arrêter, on va la ramener où est-ce qu'elle veut. Alors, elle va aux toilettes d'abord, puis elle prend sa douche. Si des toilettes. Du coup, arrête de leur parler, arrête de parler, arrête de parler. Va tout d'abord aux toilettes. Aïe. Vas-y, regardez-moi comment il est sale. Oh. Il est très très sale. Il est embarrassé. Vision impossible à oublier. Elle a vu cette fille. Qui est Dina Caliente. Ok. Merci Raoula. Du coup, maintenant, Raoula, elle va changer de tenue. Elle va s'habiller en... nudité, non. Faites. Habillé, vas-y. Toi en habillé. Ah non, pas en habillé, pardonnez-moi. Tenue quotidienne. Maintenant, rentre chez toi. Rentre chez toi parce que t'as faim. Tout d'abord. Et t'as fait assez d'entraînement, t'as fait... Ouais. Tu t'es assez entraîné. Maintenant, on va lui donner à manger. Voilà. Tout simplement. Et on va finir la vidéo sur cette nuit-là. Du coup, la vidéo se nommera le week-end de Raoula.
Voilà. Cottage du torticolis. Alors, on va pas perdre de temps. On lui donner à manger, sinon elle va avoir faim. Elle va mourir de faim. Et bravo, il y a eu un petit problème à la maison pendant qu'on n'était pas là. Ça vaut pas cher, tu vois. On va essuyer. Elle est heureuse. Du coup, c'est bien. Regardez, elle est heureuse. Dans tous les cas, c'est tout ce qu'on veut, hein. On veut juste qu'elle soit heureuse et ça nous va, tu vois. Du coup, divertissement, divertissement, divertissement. Prends une douche méditative, voilà. Prends une douche rapide. Voilà, maintenant elle est inspirée, du coup ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller jouer du violon. Et on va écouter si... on va voir si ça s'est amélioré. Je ne pense pas, non. Écoutez-moi ça. Là, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. On va se coucher à 21h. Et on se dira au revoir. Du coup, pour l'instant, on voit que Raoula est bien. Il n'y a pas vraiment de problème. Alors, il y a une super fête à la boîte de nuit. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Raoula est fatiguée. Voilà. Il est 21h. On va aller aux toilettes avant. Et on va aller se coucher. Là, on va vaporiser le monstre sous le lit. Si jamais un monstre. Tu vois, on sait jamais. Voilà. Alors, il y a Wefe qui est endormi, tu vois. Elle est là. Raoula fait de même, vu qu'elle est là. Là, elle est ici. Et elle dort. Dans tous les cas, elle a l'air heureuse, du coup. Donc, c'est bien. Alors, on va se laisser ici. Et on verra ce qui se passera le lendemain. Du coup, est-ce que Raoula aura une promotion, vu que demain, elle travaille? Est-ce que Raoula n'aura pas de promotion, donc elle va entrer dans une colère? Est-ce que, enfin, elle, qu'est-ce qu'elle va faire pendant que Raoula va être au travail? J'espère qu'elle ne fera pas de bêtises. Bref, on verra ça dans la prochaine vidéo. Allez, au revoir!